Pâques et le BEA. Aujourd'hui, c'est cérémonie qui récompense les lauréats du BEA de Pâques. Le nombre de 149. Pour le BEA, on a eu 92 élèves et pour le Pâques, 51. Toutefois, il est à relever que majoritairement, c'est des jus. Là, tant mieux. Tant mieux. Ça vous réjouit, madame. Bien. Aussi, il est à noter aussi que nous avons certains établissements qui ont tapé très fort. Nous avons trois établissements qui ont fait 100% en BEA. Et nous avons au bac des établissements qui ont dépassé les 91%. C'est aussi un résultat qui est très très fort. Ben, le résultat, tout ce résultat, il a été réalisé grâce au suivi des parents, que je salue, aux élèves qui, de par leur persévérance, ont permis à nous tous, à la Oudaïti-Zouzou, de réserver sa place, aux enseignants, qui n'ont pas ménagé aucun effort à accompagner nos enfants. Il y a aussi l'administration et les partenaires sociaux qui ont permis au secteur d'évoluer dans la sécurité et dans le calme. De par ce résultat, encore une fois, on note que nos enfants accordent beaucoup d'intérêt à la scolarité, à leurs études. Et on leur souhaite pleine réussite, Inch'Allah, à l'université. Le geste, c'est un geste, il est beaucoup plus symbolique, c'est une forme de remerciement. Tout d'abord, on remercie ces enfants d'avoir décroché ces places. On remercie aussi tous ceux qui sont à l'origine de ce résultat. Et aussi, un petit geste qui a été accordé à nos enfants, ça leur permettra de passer quelques jours de vacances. En leur souhaitant beaucoup plus, beaucoup de santé, beaucoup de réussite dans leurs études. Et merci aussi à vous qui nous accompagnent et tous les événements. Je me réjouis que vous êtes. Inch'Allah, Tizi Ouzou, c'est un cadeau de l'Ola Wapani Yantani. Tizi Ouzou, c'est un cadeau.